Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Mode d'emploi. Direction Villiers-en-Bois, dans les Deux-Sèvres, en plein cœur de la forêt domaniale de Chizé. Se trouve le CEBC, Centre d'études biologiques de Chizé. Il est rattaché à l'Institut écologie et environnement du CNRS. Ce centre d'études recense une soixantaine de personnes, une trentaine de titulaires, chercheurs, ingénieurs, techniciens, soutenus par une trentaine d'étudiants ou contractuels. Les programmes de recherche portent sur l'étude de l'effet des variations dans le temps et dans l'espace des ressources disponibles. Il existe trois grandes unités de recherche. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'unité qui étudie les changements d'usage des terres agricoles et la conservation de la biodiversité. Cette unité s'appelle AgriPop. Ce groupe de recherche étudie notamment l'influence des pratiques agricoles sur la biodiversité et les services écosystémiques. Il met en place des actions de médiation scientifique conduites auprès de publics, notamment les scolaires. Le groupe de recherche AgriPop travaille sur une zone atelier. Il s'agit d'un espace où se développe une démarche scientifique en s'appuyant sur des observations et expérimentations. Ici, c'est la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres, une plaine céréalière au sud de Niort qui s'étend autour du centre d'études biologiques de Chizé. La superficie de la zone atelier est de 450 km². Vincent Bretagnol, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres. La zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres que je dirige s'intéresse à l'agriculture de demain, c'est-à-dire inventer un nouveau modèle agricole qui tienne compte de ce qu'on appelle les services écologiques, c'est-à-dire les services que rend la nature, y compris à l'agriculture. L'agriculture repose avant tout en fait sur la nature, on a parfois tendance à l'oublier. Elle repose sur la dynamique et l'écologie des sols, mais elle repose aussi sur les insectes pollinisateurs qui permettent d'améliorer les rendements. Et puis elle repose enfin sur d'autres insectes qui peuvent être des prédateurs de pestes agricoles et donc être des auxiliaires de culture. Partons sur le terrain, dans un champ de la plaine céréalière des Deux-Sèvres. Johanna Maresco, chargée de mission au CNRS. Donc là, on va sur une parcelle d'un agriculteur qui s'est porté volontaire pour participer à une étude expérimentale. Mais c'est une parcelle de céréales. Et là-dessus, avec l'agriculteur, on s'est mis d'accord pour mettre des zones en réduction d'herbicides et une zone en réduction d'engrais azotés. Et donc sur lesquels sont nous, toute une équipe du CNRS, donc des botanistes, entomologistes, viendront en fait faire différentes mesures au cours de la saison. Et en fin de culture, on vient aussi faire des prélèvements de biomasse et évaluer un peu l'effet sur les rendements agricoles. Le terrain d'étude pour ces chercheurs, des champs de blé ou de colza, en bio ou en conventionnel. Au total, ce sont 45 parcelles qui sont étudiées dans ce cadre. Un travail qui se fait en collaboration avec les agriculteurs qui ne sont pas rémunérés et qui acceptent de se soumettre à des conditions pour l'étude. Sur environ 12 mètres de large, on demande à l'agriculteur une réduction de tout ce qui est engrais azoté. Et cette zone se recoupe avec une zone où on demande à l'agriculteur une réduction d'herbicides. L'idée de ce carré, c'est de voir en fait comment se comportent, comment lèvent les adventices sans la présence des céréales. Donc voir en fait l'effet de compétition des céréales sur les adventices. En fait, les adventices, c'est toute espèce végétale qui pousse dans une culture sans qu'elle y ait été invitée, sans qu'elle ait été semée. À l'aide de ces analyses, l'objectif est de vérifier l'hypothèse qu'en réduisant les intrants sur les bordures de la parcelle, on ne perd pas en termes de rendement, mais on gagne en revenus, car les charges diminuent. Les premières conclusions de cette étude sur la réduction d'herbicides et d'engrais azotés devraient être connues à l'automne. Autre temps fort, dans une démarche de sensibilisation et de médiation scientifique, le rucher pédagogique communal. 23 communes faisant partie de la zone atelier ont installé des ruchers comme ceci. C'est le cas de Vérine. Sylvie Wout, ingénieure CNRS, en charge des dispositifs sciences citoyennes sur la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres. On assiste à une déconnexion de plus en plus importante entre l'homme et la nature. Et cette déconnexion est d'autant plus grave qu'elle va s'accroître de génération en génération. Donc du coup, notre objectif, c'est, en gros, comment passer d'un individu qui ne sait pas,
qui ne s'intéresse pas à ce type d'enjeu à un individu qui va s'engager dans une action environnementale. Il y a un rucher par commune. Et l'originalité du rucher, c'est qu'il est considéré comme un bien commun. Il appartient à tous, il n'appartient pas aux apiculteurs. Il appartient à tous les habitants de Vérines, par exemple. N'importe quel habitant peut venir s'occuper du rucher. Il y a un cahier de suivi. Ça veut dire que n'importe quelle famille, le week-end, peut venir et enregistrer des données. Donc c'est la démarche de science participative dont je parlais. C'est que on suscite l'observation. Sylvie Hout implique les politiques et les citoyens. Le rendez-vous à ne pas manquer est la récolte du miel en été. Donc Sylvie Cousin, maire déléguée de Vérines-sous-Seille, lors de cette extraction, tous les habitants de la commune peuvent être présents et donc sont là pour y participer et pour goûter, bien sûr, parce que c'est avant tout leur miel. Donc ils sont là également pour partager et on est là pour leur distribuer aussi ce jour-là le miel qui est récolté. L'unité de recherche AgriPop a participé grandement à l'interdiction de l'utilisation des néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018 en raison de leurs effets négatifs pour les insectes pollinisateurs. Et ils seront sans doute auteurs de nouvelles découvertes qui permettront des avancées dans le domaine agricole. Dans le prochain numéro, nous découvrirons les deux autres équipes de recherche du Centre d'études biologiques de Chizé, l'équipe Prédateur marin qui vous parlera démographie et de biologging pour étudier le comportement en mer de ces animaux et surveiller les océans. L'autre équipe, Ecofi, qui étudie l'écophysiologie des reptiles, des batraciens et des oiseaux, c'est-à-dire les réponses comportementales et physiologiques des organismes à leur environnement.